كسفا الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف بها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب. J'ai pas du tout fait le lien tout de suite. J'ai assisté en direct hein, parce que je regardais CNBC. Il y avait un plateau notamment avec Maria Bartiromo qui était sur le floor de Wall Street. C'était un jour de vote au Sénat, si mes souvenirs sont bons, américain. Et donc le peuple américain via les congressmen avait voté non hein, au sauvetage. Et effectivement, donc cela s'était traduit par une vente massive, une panique digne du jeudi noir de 1929. Et on a vu progressivement, en l'espace de 3 heures, on a vu le Dow Jones descendre de plus en plus vite. On l'a vu à moins 300, moins 330, moins 400, etc.
Et plus on avançait vers la clôture de Wall Street, plus les Maria Bartiromo et ses invités devenaient littéralement hystériques, parce que c'était du jamais vu dans l'histoire de Wall Street depuis sa création, hein, faut pas l'oublier. Au moment précis où la cloche, vous savez, il y a une cloche à Wall Street, au moment précis où elle a sonné, sur l'affichage du Dow Jones, on a vu exactement moins 777,7. Très précisément. Quand la cloche retentit, en fait, vous avez grosso modo entre 2 et 5 secondes, le temps que les ordinateurs, si vous voulez, ingurgitent les derniers ordres passés, et donc ce qui s'est traduit juste après, enfin le temps que les photographes de presse le prennent en photo, etc., ça s'est traduit en 777, non pas 70, mais 68. Hein, mais dans le livre, on a pas mal de captures écran de sites financiers qui étaient vraiment sidérés de voir ces 4-7 hein, s'afficher, donc tout le monde... Tout le monde hein, à Wall Street a vu ça comme un très 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 mauvais signe, parce que n'oubliez pas, c'était non seulement le 29 septembre, c'était la fête des anges, mais également c'était la nouvelle année juive.